Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Au bien nous devons notre Dieu. Aussi merveilleux, ce qui nous conduit, qui nous éclaire, que son Seigneur soit glorifié encore de ce qui n'a pas changé. Il demeure toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Seigneur, notre Dieu, bénisse mon précieux frère. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu de ce que nous pouvons entendre à la parole de Dieu. Il réjouit nos cœurs et qu'il nous ramène encore dans la présence de notre Seigneur. Et combien encore ce matin, je suis heureux parce que je viens de recevoir ces mots de notre frère. Ah oui, c'est mon frère Emmanuel et notre sœur Irène. Il nous bénit, notre Dieu. Amen. En nous donnant des enfants pour que nous puissions les glorifier encore davantage. Nous allons prier pour cet enfant que le Seigneur, notre Dieu, a accordé la grâce à mon frère, à ma soeur, d'avoir dans leur demeure. Amen. Et c'est aussi notre enfant. Amen. Et nous sommes heureux, nous allons nous lever. Et je vais inviter notre frère Emmanuel et notre soeur Irène de pouvoir avancer avec le bébé. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais. Dieu notre Seigneur est toujours le même. Amen. Il accomplit les choses impossibles comme notre frère l'a lui aussi dans les saintes écritures. Et c'est aussi un sujet pour nous pour pouvoir chanter les chants des Sion pour sa gloire à cause de ce que lui fait. Amen. Parce que les hommes dans ce monde ont pensé que Dieu n'existait pas. Mais nous ne savons que le Dieu existe. Amen. Parce qu'il vit, Amen. C'est pour ça que nous vivons aussi. Et nous sommes réellement le troupeau de son pâturage, que sa main puissante et glorieuse conduit. Et là, nous sommes sûrs et certains que nous ne sommes pas conduits par un homme, nous sommes conduits par ses dieux. Parce que si c'était l'homme, nous ne serions plus là. Mais c'est parce que c'est Dieu, alors il nous maintient.
Il y a une puissance, une force qui maintient notre cœur à la parole de Dieu, aux choses de Dieu, et à demeurer comme notre frère a eu à pouvoir nous le montrer aujourd'hui, demeurer dans la parole de Dieu, comme au temps où les seigneurs étaient encore sur la terre, comme au temps où réellement où les apôtres étaient encore sur la terre, parce que le Seigneur notre Dieu a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes heureux de ce que dans un temps comme celui-ci, comme la Bible nous le fait savoir, le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de ce que nous puissions réellement avoir les yeux ouverts. Nous pouvons avoir les yeux ouverts, mais il faut que nous voyions comme le Seigneur veut que nous puissions voir. Il faut maintenant que nous puissions saisir comme le Seigneur voudrait que nous puissions saisir. Il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons aussi sûrs et certains, convaincus réellement par Dieu. Non pas par l'homme, parce que si moi je vous convainc, un jour vous changerez. Amen. Mais quand Dieu vous a convaincu, alors personne d'autre ne peut vous convaincre. Parce que c'est vrai cela, bien-aimés frères et sœurs, comme la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Amen. Mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Amen. Donc, il faudrait que, réellement que nous puissions avoir une communion beaucoup plus intense et intime avec Dieu pour que ces dieux-là puissent devenir réellement notre enseignant parce qu'il est celui qui nous enseigne, il est celui qui nous conduit. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. J'aime beaucoup cette parole-là que le Seigneur lui-même a eu annoncée. Il dit, l'Écriture dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et puis il continue, il dit, mais tous ceux qui ont Dieu, quand même, c'est la soirée dans Jean, je pense, hein, le livre de Jean, quelque part. Jean, je crois. Je pense que c'est dans Jean, chapitre 11, chapitre 12, je pense que c'est dans Jean. Jean, chapitre 6, merci Seigneur. Jean, chapitre 6, c'est cela. Mais... Verset 43, il dit, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils seront tous enseignés de Dieu. Donc tous ceux qui sont de Dieu doivent avoir reçu l'enseignement de Dieu. Amen. Et ici, il continue, ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, eh bien, il vient à moi. Amen. Ce que, réellement, que ceux-là ont été enseignés par Dieu, instruits par le Seigneur, et quelque chose de Dieu est resté au-dedans d'eux. Et maintenant, lorsque la parole, elle vient du Seigneur, alors, il y a un écho qui s'est fait, effectivement, comme l'Écriture le dit, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Et c'est comme notre frère l'a aussi dit tout à l'heure, effectivement, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, et ça c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, il s'est mis là, vous savez, le juif, le chrétien, tout cela, et même les disciples le suivaient. Dans Jean, au chapitre 6, oui, je pense ici, il le suivait, effectivement. Et là, pendant qu'il le suivait, il dit, mais celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang. Frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez réaliser cela, pour que vous puissiez comprendre d'abord que le Seigneur, lui, il a prêché cela parmi les croyants, donc les fils d'Israël. Les enfants, la postérité d'Abraham, vous connaissez cela, non? Donc, ceux-là qui connaissaient effectivement les Écritures, et mettez-vous à leur place. De leurs propres oreilles, ils pouvaient voir cet homme ici debout, et qui faisait des miracles, effectivement. Et ils étaient tellement étonnés de cela, parce que Nicodème a dit, mais Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que ce que tu fais, aucun homme ne peut le faire avec lui. Donc ça, vous le savez. Alors, ils entendent effectivement de cet homme-là, qui, de sa propre bouche, dit à tout ce peuple-là qui venait, dit, mais si vous ne buvez mon sang, vous savez, vous êtes assis là, vous avez un peu de recul aujourd'hui, et parce que vous avez à pouvoir être instruit dans la parole de Dieu, mais mettez-vous à la place de ces gens-là à cette époque.
Ceci pour que vous puissiez réaliser effectivement quelle l'importance de la relation entre l'homme et Dieu et de ce que Dieu a placé dans l'homme. Si Dieu n'a jamais changé, l'homme tel que nous sommes susceptibles aux habitudes. Et c'est plus facile pour nous, effectivement, de pouvoir nous engager dans la religion. Parce que nous disons, ben, si nous faisons ceci, si nous faisons cela, alors nous sommes sauvés. Et c'est pour ça, effectivement, que les dogmes et les credos ont été rentrés, effectivement. Les hommes ont trouvé cela facile, ce n'est pas un problème. Donc si je fais les sacrements, je fais ceci, cela, donc il n'y a pas de problème, je suis réellement sauvé et je m'en vais. Et c'est comme cela, effectivement, qu'est la nature de l'homme, effectivement. Mais Dieu, et c'est pour ça que quand l'homme est arrivé à ce stade, effectivement, tout devient fixé comme ça. Donc c'est comme ça qu'on fait, c'est comme cela qu'on doit faire. Si on fait comme ça, alors c'est comme ça. Or, Dieu n'est pas comme l'homme. Amen. Vous savez ce que le Seigneur a répondu à Nicodème, nous reviendrons dans ça. À Nicodème, effectivement, dans cela, dans, je crois que c'est dans le livre de Jean, chapitre 3. Regardez cela. Jean, chapitre 3, il dit ceci. Nicodème lui dit, il dit ceci, verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître tant il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère aînée ?» Jésus répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il dit, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Il n'est pas statique. Il n'est pas figé. Amen. Non, 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 frère, cet homme-là... C'est comme quand le Seigneur donnait cet exemple. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Amen. Les vieilles outres, ils sont rigides et statiques. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc c'est toujours comme ça. C'est la religion. Hein? C'est les dogmes, effectivement. Comprenez-vous pourquoi le message du frère frappait sur les dogmes et les crédits. Donc, ça me rend statique. Alors on va faire comme ça, on fait la rite, et puis c'est tout. Donc, il dit, mais si tu mets du vin nouveau dans des vieilles outres là qui sont vieilles et rigides ainsi, tu vas perdre ton vin. Parce que ça va éclater. Amen. Mets du vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Parce que quand le vin va gonfler, l'outre va suivre. Amen. Là, on voit l'esprit, les bons nous suivent aussi, non? Amen. Donc, quand l'esprit qu'on dit comme ça, on suit effectivement. Donc, l'outre neuve va épouser la forme de l'esprit qui conduit. Par là, effectivement. Alléluia. Et la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Sont donc fils de Dieu. Alors il leur dit, mais si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, alors c'est sûr et certain, 100%, frère. Ces hommes pouvaient réellement se dire, nous avons raison. Il dit, il y a un problème. Quel est donc le problème? Prenons dans le Lévitique, je pense que c'est ça. Le Lévitique, je pense. Lévitique au chapitre 10, je pense que c'est là. Je ne sais pas, pas particulièrement aussi. Lévitique. Je ne sais pas comment c'est ça. Vous l'avez trouvé, oui. 7, 20. Oui, il y a aussi 17 que je vous ai dit. Merci, frère. Merci. Ah. On lit dans le chapitre 17, verset, je vais le chapitre 17, verset frère, et nous pouvons lire, à partir du verset, je vais dire à partir du verset 10. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis au chapitre 7 aussi, je pense, c'est écrit comme ça. Alors, le chapitre 17 de Lévitique, verset 10, il dit, si un homme de la maison d'Israël aux étrangers qui séjourne au milieu de toi mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son ventre. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang,
si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'arbre de toute chair, c'est son sang qui est dans son âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'arbre de toute chair est, c'est son sang. Quiconque en mangera sera donc retranché. Amen. Donc c'était assez clair dans chapitre 7, chapitre 8. Donc il était assez clair, écrit clairement qu'on ne peut pas manger du sang. Et on voit cet homme et les voix des gardiens qui se tient là debout, effectivement, et qui crie devant tout le monde qui sont sauvés. Amen. Il dit, mais celui qui mange ma chair, il ne boit mon sang, n'aura pas la vie. Car il dit, ma chair est une nourriture et mon sang, un breuvage. Là, il s'est arrêté. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, parfois aujourd'hui, vous vous dites, mais bon, c'était frère, mettez-vous à la place de ces gens-là. Et ça, c'est pas n'importe qui avait dit cela. C'est bien Moïse, c'était écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, effectivement, il avait, ça, on ne peut pas le faire. Manger de la chair, manger de la plus, manger la chair humaine. Il y a même de ces animaux-là, si tu le touchais, tu étais souillé. Et puis là, on te demande de manger maintenant la chair humaine et en plus là, boire le sang d'un être humain. La Bible nous fait savoir que quelque chose s'est passé même parmi les disciples. Vous savez, comme j'ai toujours eu à pouvoir le dire, frère, aller au ciel, ce n'est pas comme si on voit la poste. Vous ne pouvez pas vous prétendre parce que je suis assis. Parce que je connais, parce que je sais, parce que si c'est ça, moi je vais aller au ciel. Non, frère. Vous savez, pour que ton péché, mes péchés et nos vos péchés en nous soient vraiment effacés, votre attention, s'il vous plaît, j'aime que vous vous teniez bien dans une position de respect. Pour que vos péchés et mes péchés soient vraiment effacés, frère, comme nous disons, Seigneur, merci d'avoir pardonné mes péchés, effectivement, frère et sœur. Il a fallu que Dieu lui-même, le Dieu du ciel, je ne sais pas comment vous considérez ces choses, où vous regardez, vous asseyez, vous pensez. Le Dieu du ciel, ce n'est pas une histoire historique, mais il fallait que le Dieu du ciel, pas un ange. Parce que si c'est l'apôtre qui parlait avec un ange, mais il aurait dit, l'ange va. Moi je suis Dieu, je laisse sur mon trône. Non, il a quitté son trône de gloire. Il est descendu en bas, frère. Il a pris la forme d'un homme. Dieu s'est déversé pour souffrir. Pour être flagellé. Parce que ce qui a fait qu'il soit défiguré comme il était défiguré, craché dessus et crucifié, c'est ton péché, c'est mon péché. Il n'avait rien fait. C'est pourquoi, frères et sœurs, le jugement sera tellement terrible pour vous. Dieu bénisse mon frère. Il dit, c'est lui qui n'écoutera pas les sacrificateurs. Ça a puni. C'est à retrancher. Non. C'est sûr et certain cela. Donc, à cause de ton péché à toi, mon péché à moi, il a dû quitter son trône et prendre la forme d'un homme. Frère, nous ne devions jamais discuter les Écritures. Amen. Nous devions croire à la parole. Mais cela réellement. Mais pourquoi, frère, c'est aussi la grâce que Dieu a accordée. Ce n'est pas parce qu'on est assis là qu'on dit qu'on est des croyants. Non, croire, c'est vraiment aussi vivre cette parole ensemble. Amen. Il faut voir la nature de croyants, comment ils étaient. C'est tellement c'est vrai. Et puis on voit aussi la nature de soi-disant. Ils étaient tous dans ces groupes-là, effectivement. Et quand il a dit clairement, c'est lui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang, ça crée un trou. Même ses propres disciples ont commencé à pouvoir murmurer. J'aime beaucoup cette écriture-là. Et je les vois, il était là tout calme, effectivement. Pourquoi murmurez-vous? La chair ne sert à rien. Alléluia. C'est l'Esprit. Amen. L'Esprit qui bénéficie. Alléluia. Son onction vous enseigne. Amen.
C'est vrai, non? L'esprit qui vivifie la chair. C'est parce que, vous savez, on tombe facilement dans les habitudes. C'est pourquoi n'oubliez jamais, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, toi mon frère, toi ma soeur, quand tu as reçu le Seigneur, ne t'arrête pas seulement là. Il faut avancer encore dans la sanctification. Vous savez pourquoi c'est important la sanctification? Parce que Dieu, notre Seigneur, enlève toutes vos habitudes. Toutes vos passions. Moi je veux ceci parce que la Bible dit, mais ils s'étonneront une foule de docteurs. Selon quoi? Selon leur propre désir. Nous avons toujours entendu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le problème, ce n'est pas d'avoir entendu comme ça, mais c'est parce que qu'est-ce que les Saintes Écritures disent? Quand Paul est arrivé, en fait, dans le territoire récupéré, en fait, et là, il avait déjà répondu qu'il était quelqu'un qui avait porté du secte, effectivement, d'autres, seulement erroné contre Moïse, les disciples de Béré n'ont pas été très loin pendant que Paul prêchait, il vérifiait dans les Écritures. Pas ce qu'on nous a dit, mais ce qu'on, qu'est-ce qu'ils disent. Parce que Paul, maintenant, le ramenait dans les Écritures. Pour qu'il puisse voir et qu'il puisse comprendre. Enfin, parce que le salut n'est pas le problème de la masse. Alléluia. Amen. N'oubliez jamais ça. Ne voyez pas ce que la masse croit. Amen. Voyez ce que Dieu vous dit. Amen. Et conforme à ceci. Amen. Parce que, la, vous savez, le salut est individuel. Amen. La Bible nous montre effectivement que deux seront dans un lit. C'était la masse. Hein? Mais deux seront dans un lit. L'un sera. L'autre sera. Deux voudront ensemble. L'une sera prise. L'autre sera prise. Donc c'est toujours en fait le problème individuel où il faut dans la marche effectivement être sûr et certain que moi ici, Dieu m'a parlé, Dieu m'a convaincu. Et comme Dieu m'a convaincu, effectivement, alors je sais où je vais. Il est là, regardez, mais pourquoi vous ne vous en allez pas vous aussi? Parce que j'ai simplement déclaré cela, a été une bombe explosion, évidemment, mais pourquoi vous ne vous en allez pas vous aussi? C'est Pierre qui a répondu. À qui une autre qu'à toi, car c'est toi qui m'as dit parole de l'Éternel. C'est l'homme qui avait reçu la révélation. Donc cet homme-là, le Seigneur dit, mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Donc cet homme, réellement, a eu à pouvoir aussi réaliser que, non, moi ici, je sais réellement qui est cet homme parce que je reçus la révélation. Oh oui, on peut entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien, mais le plus important, ce que lui se révèle à toi. Amen. Et toi aussi. Vous savez, nous allons lire dans Brèche chapitre 8. Vous savez, la femme prostituée, la Samaritaine, elle avait entendu parler. Nous savons, on a dit que le Messie doit venir. Nous savons ça. Alors il a regardé, mais je le suis, moi qui te parle. Quelque chose s'est passé. Par rapport à ce qu'il avait entendu, à ce qu'il a eu à pouvoir vivre d'abord avec cet homme-là. Parce qu'il dit, il dit, mais venez donc voir. Ne serait-ce pas lui, parce qu'il m'a dit tout ce qui me concerne. Donc moi, j'ai été dans sa présence. Amen. C'est pas qu'on m'a raconté, mais moi, j'ai été dans sa présence. Regardez ce qui se passe en fait. Pendant qu'elle a parlé comme ça, on a dit que cette femme ici, elle était dans la présence de quelqu'un de tout à fait particulier. Elle dit, mais mon âme a été touchée. Elle dit, mais je crois que c'est lui venu. La prostituée ne voulait pas approcher celle qui appelle les autres. Mais avec une tête, parce qu'elle était complètement aussi délivrée. Elle dit, mais non, quelque chose s'est passé à moi. J'étais lié. Mais il m'a donné de ces dons-là. Et j'ai bu de ces dons. C'est vrai. Quand j'ai bu de cet eau, effectivement, tu dis, mais l'eau que tu bois, deviendra en toi une source, effectivement. Mais si tu savais, c'est lui qui te parle les dons de Dieu, maintenant, dis, mais tu dois te demander à boire, effectivement, de l'eau, et tu n'as plus soif. Et quand je parlais avec lui, alors les choses ont été différentes. Et puis, plus je parlais, plus mon âme sentait quelque chose. Et puis, oh là là, je me suis trouvé dans une atmosphère particulière. Et là, il me pose une question. Ben, c'est un mari. Point. Mais pourquoi
Pourquoi elle me pose cette question? C'est pas pour rien que Dieu me pose la question. Il veut bâcher ton mari. Et puis, vous voulez regarder effectivement comment elle est passée. Vous savez, quand ça a commencé à travailler dans le cœur, puis il y a quelque chose. Vous voyez, là, les ténèbres commencent à s'enfouir davantage, effectivement. L'homme, la femme, commence à se sentir dans une atmosphère de confiance. Il dit, va chez ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Ah, cela, tu as eu raison. Parce que tu en as eu sept. Et celui que tu as maintenant de parler, tiens. Seigneur, je vois que tu es prophète. Mon âme a été touchée, transformée. Et j'ai senti qu'effectivement, qu'il y avait quelque chose de particulier à cet homme. Et puis nous continuons, ils avaient dit, mais. Et vous dites, effectivement, non. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Pour le préservateur de mon Dieu en esprit. Et puis, sentant son âme, il dit, mais nous savons que lorsqu'il dit, quand je parle avec lui, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de particulier. Il dit, mais venez vous aussi. Quand ils sont venus, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils l'ont écouté. Il dit, ce n'est plus à cause de ce que la femme nous a dit. Parce que nous aussi, nous sommes venus et nous avons vu et entendu. Et nous avons vu aussi que tu es réellement le Messie. Mon frère et ma soeur, ne marche pas en fonction de la religion, Alléluia. En fonction de ce que les hommes te disent. Tu as besoin, Alléluia. Toi personnellement, frère, s'il vous plaît, frère et soeur, comment pouvez-vous prétendre que vous allez partir effectivement en voyage de noces avec cet homme, cet homme, c'est Jésus effectivement de Nazareth, et être son épouse, sans connaître cet homme? Alléluia. Et c'est vrai? Il y a quelque chose qui se passe effectivement dans notre cœur. Vous l'aimez parce qu'effectivement, il est venu à vous, il vous a réellement aussi parlé, il vous a touché le cœur. C'est comme cela que votre cœur s'est donné aussi à lui. Il faut absolument un contact avec cet homme. Alors quand ce contact est établi, effectivement, alors il sait qui vous êtes. À ce moment-là, quand il parle, effectivement, même si vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas troublé. Amen. Amen. Vous êtes dans la paix. Amen. Parce que, comme l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Donc je sais qu'effectivement, qu'il a le pouvoir de disposer de toutes choses. Et s'il dit une chose, je suis sûr et certain, il y a une raison et il va réellement me le faire savoir. Dans Apocalypse, chapitre 2, je vais te donner la bénédiction. Regarde, je vais dire. Et dis donc à l'ange de l'église de Fès, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. J'aime beaucoup cette parole, vous savez. Je disais, moi, je pourrais même les graver dans mon bureau, quelque part là, devant la porte. Je le vois. Il dit, il marche au milieu de cette chandelier d'or. N'oubliez jamais cela. Je le répète, mais c'est toujours important. C'est la témoigne qu'effectivement, qu'il n'est pas mort. Amen. Qu'il est vivant. Amen. Jusque dans cet âge dans lequel nous vivons, mon frère. Les prédicateurs pourront s'en aller. Ils mourront un jour, moi je m'en irai, tous les prophètes pourront s'en aller. Mais lui, il demeure toujours. Amen. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je ne peux pas dire cela de moi. Ah non, 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 non. Moi je suis d'aujourd'hui, je partirai un jour. Mais lui, il est toujours le même. Amen. Tous les hommes pourront partir, il demeurera toujours le même. Amen. Donc jusque dans cet âge ici, il est toujours le même. Accomplissant toujours ce qu'il avait accompli dans les temps passés. Parce que sa puissance n'a pas changé. Et puisqu'il marche, mais c'est un directeur, eh bien, c'est lui qui donne la vie. Amen. Alléluia. C'est vrai, non? Amen. Nous allons le voir. C'est lui qui donne la vie, mon frère. Il y a une chose, ma mère, mais je suis la lumière du monde. Je le suis. Et si lui, il est, il n'y a personne d'autre qui peut être la lumière. Le seul. Donne la lumière, c'est lui en fait. Et c'est comme ça que je vous ai montré une fois comment le chandelier était donc alimenté, comment effectivement ce chandelier effectivement était donc allumé. Même flamme,
Amen, du début jusqu'à la fin. Et c'était donc au milieu qu'on voit effectivement le tronc, comment il est, et se nourrit effectivement par l'huile qui rentre là-bas et qui nourrit encore davantage pour que la flamme soit maintenue. C'est vrai, c'est comme cela que ces choses sont passées. C'est-à-dire, il marche au milieu de cette chandelier d'or. Il a dit, je suis vivant au siècle des siècles. Et il était mort, mais il est maintenant ressuscité, il vit pour nous. C'est qui donc là, quand il dit, je te mens, c'était notre parent rédempteur. Il vit, et maintenant nous sommes sur que notre rédempteur vit. Alors s'il vit effectivement, nous sommes sa possession et pour toujours. Amen. Ici, vous savez pourquoi on parle du parent rédempteur? Parce que nous étions esclaves. Donc liés et on n'avait personne. Vous vous souvenez, non? Donc soumis effectivement par celui qui avait dominé sur nous. Donc il fallait nous faire n'importe quoi. Parce qu'on était esclaves, on ne pouvait pas rien faire, donc on était soumis. Mais quand le parent rédempteur a été trouvé, il paye pour toi. Pour que tu sois racheté, afin que tu ne sois plus esclave. Amen. C'est pourquoi on nous parle effectivement que notre rédemption est une rédemption éternelle. Amen. L'homme qui a été racheté, effectivement, s'il s'est vendu, encore dans les temps, dans la nature, effectivement, en Israël, si il était arrivé, le parent rédempteur vient, il paye, effectivement, et puis il ressort, il devient libre, effectivement, et il pouvait arriver aussi. D'abord que l'homme qui l'a racheté par la terre mourait. Donc il meurt. Et c'est dommage s'il retombe encore dans cet état, effectivement, il pouvait avec le répit de par la terre. Donc effectivement, il se retrouvait dans cette situation encore. Vous comprenez cela? Mais avec nous, ce n'est pas possible. Amen. Avec nous, ce n'est pas possible. Il est venu, il nous a racheté une fois pour tout. Amen. Et il vit, il ne verra plus jamais la mort. Amen. Donc notre rachat est tout à fait éternel. On ne peut plus retourner dans l'esclavage. Amen. Tout ce que Satan veut faire ne peut plus marcher sur nous. Amen. Si toi, écoutez, s'il vous plaît, frère, si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu as vraiment été racheté, c'est absolument impossible que tu retournes. Amen. Amen. Parce que ton rédempteur étant vivant, il va toujours maintenant manifester maintenant quoi? Son autorité. Amen. Amen. Il est mien, tu ne peux plus le prendre à l'esclavage. C'est pourquoi il vient mettre son sceau. Montrant que ça, c'est ma propriété. Amen. Elle ne pourra plus jamais retourner dans le monde. Non. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, tous les ont été enlevés. Amen. Là où Satan trouvait les issues, tout est bouché. Amen. Parce que le maître dit, mais c'est ma propriété. Amen. J'en prends possession. Amen. Personne d'autre. Mais quand le sceau est posé, Satan tremble. Amen. Il dit que cet homme et cette femme ne peuvent plus être mon esclave. Le maître conduit à gauche et à droite. Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Quand quelque chose des fois vient, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Moi je suis même et celui qui est en moi. Amen. Amen. Quand cet homme ou cette femme vient faire quelque chose de mal, il vient poser sa main quelque part. Il n'a même pas besoin d'avoir un frère ou une soeur. Amen. Non. Amen. 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 Là, il y a un trône de jugement dedans. Il dit, ça, tu ne peux pas parce que tu permets au démon. Amen. Quand on parle de la rédemption, mon frère, il faut que nous comprenions les choses. Ne soyez pas, on a parlé de la rédempteur, il faut que nous puissions comprendre réellement ce qu'il en est. Amen. Nous l'avons entendu, mon peuple meurt par manque de connaissance. Amen. Parce que nous connaissons effectivement ce que Dieu est pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Alors effectivement, nous sommes des hommes plus heureux. Et nous savons qu'effectivement que nous marchons sur le chemin qu'il a établi pour que nous puissions rentrer à la maison. Nous sommes sûrs et certains que nous sommes sur la voie juste. Amen. Et bien, et bientôt, lorsque même la trompette retentira, j'ai cette assurance et cette certitude que j'entendrai. Amen. Mon nom à moi est appelé. Amen. Pourquoi mon frère et ma soeur? Parce que je marche avec lui. Amen.
Alléluia. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin de temps, marchant avec nous. Donc, nous savons donc cette. Et il le prouve en disant, mais je suis donc vivant. Écoutez bien, frère, dit, je suis donc vivant. Aussi, j'étais mort. Mais maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. J'ai vécu l'enfer. J'ai vécu toutes choses, effectivement. Et je tiens les clés du séjour de mort. Et c'est lui-là qui dit cela ici. Il a vécu les principaux. Amen, amen. Les dominations. D'autres. Amen. C'est d'autres paroles. Amen. Alléluia. Il a dit, j'agirai. Cultivation. Amen. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous. Alléluia. Qui sera donc contre nous? Amen. Même si le monde entier s'est levé contre nous. Amen. Nous serons sans crainte. Amen. C'est la vérité. Amen. Parce que nous avons un puissant qui vit et qui agit. Prêtez attention. Il vit et qui agit. Et puisqu'il nous a rachetés, il a marqué de son souci. Pourquoi toi qui as cru, n'écoute pas bouche à droite. Tu dois continuer à pouvoir regarder celui qui t'a appelé. Amen. Celui où tu avais été appelé, c'est pas un homme. Il y a une voix que tu entends. J'aimerais bien entendre ma voix. Et quand il t'a appelé maintenant, tu as quelque chose au-dedans de toi qui soupire à pouvoir être semblable à lui. Amen. Parce qu'il y a une vie dedans. Maintenant, il veut t'amener maintenant à la sanctification. Parce que il veut que tu sois comme lui. Il te voit comme il veut que tu sois. Parce que c'est quand même, frères et sœurs, votre attention, c'est quand même l'homme qui va choisir la femme. Ce qui est triste et vraiment aussi horrible aujourd'hui, c'est la femme qui va faire la cour à l'homme. C'est vraiment triste. C'est quelque chose qu'on amène maintenant comme si c'était quelque chose à la mode. Donc une femme, une jeune fille, qui va faire la cour maintenant à un jeune homme, qui dit, ben moi je t'aime, je veux être avec toi, je veux saisir une femme, une jeune fille, qui va faire ça à un garçon. Ça c'est une abomination. Amen. Et puis toi, mon frère, toi, je pense qu'il y a une femme qui va faire ceci, elle va finir par payer sa dot elle-même. C'est vrai, non? Vous vous rendez compte qu'une fille va payer sa propre dot. Mais s'il paye sa dot, est-ce que ce mariage est un mariage? Non. Je vous pose la question, vous lisez la Bible, non? Une femme qui va payer sa dot. Parce que bon, je dois, vous savez, on doit rouler parce que j'aime. Tu vas épouser l'homme, non? Tu vas payer ta dot. Je ne sais pas, dans cette Bible ici, avez-vous vu une écriture où une femme va payer la dot de son propre mariage? Non. Alléluia. C'est toujours l'homme qui doit aller. Qui doit. Parce que c'est la femme doit plaire à l'homme. N'est-ce pas vrai? Donc, c'est l'homme qui doit regarder, dire, ah, d'abord, je priais Dieu. Je priais le Seigneur, oh là là, la Seigneur accorde-moi la grâce. Et puis quand il voit la femme, mais le Seigneur ne va pas donner une femme que tu n'aimes pas. Il ne va pas quand même venir avec, je sais pas moi, ça serait là. Mais il dit, bon, parce que tu es mon fils, prends-la quand même. Non. Dieu connaît quand même ton cœur. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Ce n'est pas nué, hein. C'est toujours un frère. Mm-hmm. Quand Adam a vu Ève, son cœur a tressailli de joie, non? Pourquoi? Parce que quand Adam a regardé, elle correspondait exactement à ce qu'Adam voulait. C'est la vérité. Amen. Ose de mes os, chair de ma chair. Amen. Ose de mes os, chair de ma chair. Mais il aimait. Il ne peut pas dire cela. Il me donnera une femme. Donc Dieu te donne effectivement. Femme que tu es censé avoir. Parce que si il n'y a pas cet amour à quoi ça sert. Si c'est une obligation, il n'y a pas de mariage. C'est vrai ou pas? C'est la vérité. Amen. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mariage.
Amen. Le mariage est basé sur l'amour quand même. Amen. Bon, vous allez vous lier au Seigneur, je veux qu'il soit les mêmes. Je vous pose la question. Non. Vous liez pourquoi? Parce que vous l'aimez. Amen. Vous les voulez tellement que vous les voulez. Vous les voulez tellement parce qu'il vous a parlé. Amen. La même chose. Donc effectivement, c'est à l'homme de pouvoir aller effectivement et qu'il puisse demander effectivement la main de la personne que cet homme même voudrait vraiment avoir comme épouse dans sa marche, effectivement, qu'il puisse arriver à pouvoir vivre ensemble. Et ce n'est pas à la femme de courir après l'homme. Et quand d'ailleurs vous courez après l'homme pour que l'homme vous épouse, ben, s'il est touché par la pitié, il va le faire. Parce que vous vous accrochez tellement. C'est toi, je vais te couper, je sais pas la blablabla, je me suis dit, je non, 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 il n'y a pas de problème. Si c'est vraiment toi qui te prends aussi la dot, tu vas voir la famille du garçon, du frère, je viens épouser votre fille. Est-ce que vous acceptez que je lui demande la main? Je vais demander la main. Ne riez pas, frère. Je vais demander la main de votre fils. Parce que je veux l'épouser. Qu'allez-vous dire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes toujours l'homme qui doit avoir les sentiments de la femme. Et il va se diriger maintenant vers cette femme pour dire, voilà, je sens la main. Et si est-ce qu'il lui exprime la force qu'il ressent. Et puis c'est toujours à l'homme, à l'homme toujours, de donner la dot de la fille à la femme de l'homme. Amen. Jamais une femme ne peut être dotée pour elle-même. C'est contraire aux saintes écritures. Amen. Amen. Et ce mariage-là n'est pas conforme. Monsieur le Seigneur, une femme puisse se. Parce que la dot, c'est toujours. Alors vous, il ne vous arrive pas dans ce que vous vous trouvez avec le mari, le jeune homme, vous dites, je t'aime, effectivement, bon, et bien vous travaillez, vous êtes, c'est pas bon, je suis dans la vie, vous avez demandé, l'homme, je vais demander, la famille a demandé cela, il dit, bon, ben, l'homme, il dit, eh bien, je t'aime bien, mais je sais pas, mais quand même, tu travailles, eh bien, donne-moi ce que tu as là, je vais payer. Bon. Non. Amen. Amen. Non. Amen. Ça, on ne doit pas le faire. Amen. Quand Jacob devait épouser Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a travaillé. Amen. Amen. C'est la Bible, frère. Amen. Jacob, il n'a pas dit, bon, Léa va travailler un peu pour moi. Non, mais moi, j'ai travaillé. Pour acheter. Donc, moi, je dois travailler. Et il a travaillé. Si l'homme ne peut pas prouver qu'il est capable de payer votre dot, il ne sera pas capable de prendre vos soins. Amen. 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 Parce qu'un véritable homme doit se battre pour sa femme. Amen. Il doit prouver qu'il doit en prendre soin. Il doit prouver que c'est moi. Ah non. Je dois, parce que je dois sentir que c'est ça que je dois faire. C'est sûr, ça. C'est pas l'argent de la femme. La fille, effectivement, bon, tu vois, tu donnes, hein, puis bon, tu donnes, puis la fille, bon, pour ne pas avoir de problème, je vais donner à ta place. Maintenant, toi prends. Vous suivez? Toi prends. Et puis donne maintenant pour qu'il voit que tu as donné la dot. C'est un mensonge. Est-ce que vous suivez? Amen. Toi prends, va maintenant donner. Donc, la femme donne à la. Alors, en fait, c'est la femme qui s'est dotée. Alors vous avez trompé. Vous savez ça, non? Donc vous avez trompé. Pour que chaque chose soit faite, c'est pour la première chose. Les saintes écritures de l'amour marchent. Parce que pour qu'elles deviennent tiennes,
parents doivent dire oui. Et si les parents ont dit oui, maintenant les parents doivent exiger ce qu'ils ressentent pour leur enfant. Ils ne l'avaient pas ramassé dans la rue. Mais c'est un enfant qui ne vivait pas d'un arbre, il vient d'un être humain, d'une famille. Donner ce qui est nécessaire à la famille pour que le consentement soit vraiment un consentement vraiment aussi parfait. Il faut que cela soit garanti. Vous êtes aussi heureux, parce que Dieu aussi qui est merci. Il y a un homme qui vous retrouver. Si les choses n'ont pas été faites en conformité à la parole de Dieu, vous devez courir. Amen. Amen. Si vous vous êtes doté vous-même, mon frère, ma soeur, ma femme, ma femme, fait ceci, il faut corriger. Amen. 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 Parce que la femme ne peut pas se doter de lui, ça peut être sainte nature. C'est l'homme qui va pouvoir rassembler tout et donner ce qui est nécessaire. C'est ce que la Bible dit. Alors il dit, il marche, mais c'est chanté d'or. Mais c'est deux, il dit, écoutez, je connais tes œuvres, ton travail et ta personne. Voyez, frère, dans cet âge ici, qui est l'âge des 16, il y a quelque chose de tout à fait particulier qui se passe. Et là, c'est tout la manière où le Seigneur Jésus-Christ lui-même se dévoile là, effectivement, parce qu'il montre toujours la divinité, sa divinité dans chaque âge. Si vous le remarquez, vous allez lire avec moi. Dans chaque âge, il montre toujours effectivement ce qu'il est. Alors, là, effectivement, montrant cela, il dit, oui, mais je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Quand il a regardé cela, il a dit, mais c'est sûr et certain que là, je dis effectivement vrai que je vois ces choses. Je connais travail, persévérance, tes œuvres aussi. Verset, tu vas dire, je sais que tu ne peux supporter le méchant. C'est quelque chose de tout à fait particulièrement merveilleux. Que le Seigneur, il dit ici, regardez, il dit, mais je sais une chose, que tu ne peux supporter les méchants. Personne n'est pas obligé de ne pas le faire. Pourquoi tu ne supportes pas le méchant? Vous savez pour quelle raison? C'est ce qu'elle avait dit, non? Souviens-toi d'où tu es tombé. Amen. Tu as abandonné ton premier amour. Quand tu étais dans cet amour-là, il y avait un zèle. Amen. Tu ne voulais même pas qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas conforme à ce que Dieu veut pour toi, dans ta propre vie, pour toi. Vous savez, le Seigneur dit, la Bible dit que quand il est entré dans le temple, il y a des échangeurs. C'est d'abord devenu une coutume, non? L'habitude que les gens rentraient, c'était normal, qu'on pouvait changer, acheter des pigeons, mais c'était pour offrir, non? Donc, on achetait les agneaux là-bas pour aller offrir au Seigneur. Donc, ça s'est vendu vraiment au temple, effectivement. Il est rentré avec un fouet. Amen. C'est pourquoi on les détestait beaucoup, parce que s'ils allaient toujours contraire à la pensée des hommes. Alléluia. Qui étaient des croyants, parce qu'ils étaient rentrés dans les habitudes, se trouvaient ça normal. Et là, il a renversé l'état des échangeurs. Il a fouetté pour les chasser de Rome. Il s'est dit, mais l'élite qui est pour une maison, est une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Avant, ce n'était pas comme ça, mais progressivement, les choses ont commencé à pouvoir avoir des habitudes. Un premier est venu avec ses pigeons, puis il est rentré, il a dit, bon, de toute façon, c'est pas pour c'est parce que je dois prendre celui qui doit rentrer. Et puis, avec les pigeons, premièrement, et puis ce moment-là, c'est aussi les moutons qui sont venus un peu. Alors, tout le monde veut venir vendre maintenant à l'intérieur. Ils ont dit, les ailes de ta maison, mettez. Amen. Amen. Il a pris les fouets, il a frappé, il a chassé tous les vendeurs. Il dit, tu ne peux supporter le méchant. Mon frère et ma soeur, tu n'étais pas un homme ou une femme à compromis. La compromis, le compromis, effectivement, ne faisait pas partie, effectivement, de toi. Quand quelque chose, et puis tu n'étais pas un homme ou une femme hypocrite, double. Vraiment. Je pose une question simplement. Frère, j'appelle frère, est-ce que tu peux me prêter ta voiture?
tu demandes, tu as ta voiture, tu demandes, frère, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Comment est-ce que tu vas réagir à la demande que je t'ai faite? Tu as besoin d'acheter ta voiture maintenant, ou quelque temps, je ne sais pas moi, acheter demande. Frère, écoutez bien, frère ou soeur, je vais, mais prête-moi ta voiture, j'ai une crousse, effectivement, c'est ta voiture à toi, je vais la mettre loin. Comment tu vas réagir à la demande que je t'ai faite? Pour sortir les clés de ta voiture et donner au frère, il faut qu'il réponde à un questionnaire de 200 pages peut-être. Pourquoi, frère? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Et comment tu veux faire? Et avec quoi? Qu'est-ce que tu vas transporter dedans? Et comment sera? Et puis à quel moment? Et puis à quel jour? Je donne un exemple. Donc vous faites sortir une liste d'un questionnaire de 250 pages. Pourquoi? Parce que vous avez un bien qui vous tient tellement à cœur. Et que pour arriver à pouvoir le céder à quelqu'un d'autre, vous dites, mais il va probablement faire ceci, ça pourrait être comme ceci. Mais en fait, la même chose qui peut arriver avec le. Amen, amen, amen. Exact. Va certainement arriver aussi avec c'est toi. Ça. Amen. 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 Quand ça va arriver avec toi, comment tu vas arriver à pouvoir réagir sur toi? Vraiment. Lorsque la parole divine de Dieu est dans ton cœur, quand il y a cet amour vraiment aussi fort, surtout quand la parole est venue à toi et que la puissance de Dieu est en toi aussi, frère et soeur, que ton frère te demande la chose, c'est avec beaucoup d'empressement. Amen. Amen. Tu n'as pas même pas 600 questions à lui poser. Oui, parce que, oui, parce que. Cela montre effectivement qu'à ce moment, tu ne veux pas lui donner. Amen. Quand un frère ou une soeur commence à te poser des questions, dit simplement, stop, s'il te plaît, ma soeur. Non, ce n'est plus possible, je n'ai plus besoin. Amen. Je n'ai plus besoin, je n'ai plus besoin. Oh, prends lui, non, s'il te plaît, parce que si je prends et que j'ai un problème sur la route, et c'est fini pour toi. Oui, mon frère. Il doit y avoir quelque chose dans le cœur d'un croyant. Qui, vous savez, nous sommes arrivés, enfin, je dis que les gens sont arrivés à un point tel que ils ont épousé en fait la ruse de Satan et sa dissimulation. Il faut faire très attention. Un fils de Dieu, une fille de Dieu est toujours clair. Amen. Amen. Aussi clair. Amen. La Bible dit que ton oui soit Amen. Avec un oui ferme et certain. Mon frère, il n'y a pas de problème s'il faut mettre les ailes chez toi pour te déposer à ma tête. Je suis prêt. Amen. Tu entends ça, tu dis, Dieu d'Abraham. Amen. Quand tu entends ça, tu vas prendre soin du bien de ton frère. Amen. Il peut se déranger là-bas pour venir jusque chez moi. Je sais l'exemple de là. Pour venir chez moi pour déposer la voix qui dit, mon Dieu, amouré. Seigneur, cette personne, tu prieras pour la personne. Amen. Avec autant de prières, avec Seigneur béni, Seigneur rempli, je ne sais pas comment je dois faire. Et puis quand tu prends aussi la facture de ton frère, il t'a donné ça, l'aiguille était ici. Tu as conduit, effectivement, l'aiguille est arrivée là, et puis tu arrives à la maison, tu le déposes. Oh, gloire à Dieu, frère, que Dieu te bénisse. Non, frère. Le frère t'a donné, mais lui était là. Quand tu le remets, soit tu remets là, ou encore un peu plus. Amen. 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 Ah ben oui, frère. Amen. Mets-toi à sa place. Amen. Il a peut-être mis cela pour 5 euros en disant, demain matin, je vais avec ma famille là-bas. Toi, tu es venu, tu as avalé les 5 euros. Où? Et puis le matin, il sort, il n'a pas 5 euros. Il s'approche, il veut mettre comme ça, rouge. Ah, le frère avait pris. Tu dois aussi penser aussi à la place des autres. Amen. Amen. C'est comme ça, non? Amen. Oui. Quand moi je prends, même s'il ne sait pas, je remets. Amen. Mais oui, frère, c'est tout à fait normal. Je pense à la personne d'abord qui sait d'abord déranger, lui t'a donné. Frère, il faut que nous ayons l'amour qui compense à tous ce frère, à chacun de nous. Nous sommes entre nous. C'est important cela. Bon, pas seulement moi, on doit faire pour moi, pas les autres, non. Alors, mais non, mais non, non. Alors,
quand cela est ainsi, donc, que vous demandez à votre frère le bien que lui y possède et que vous vouliez aussi l'utiliser, sa réaction, effectivement, à votre endroit témoigne, effectivement, aussi de ce qu'il a dans son cœur. Vous suivez ce qu'il y a dans son cœur, non seulement à votre endroit, mais surtout à l'endroit de la parole de Dieu. Quand vous aimez le Seigneur et sa parole, je suis sûr et certain que vous aimerez aussi les autres. Amen. Je l'ai toujours dit, frère, il ne faut jamais renverser les deux. D'abord aimer ton prochain, puis aimer Dieu, après ça ne marchera jamais. Ça sera des camaraderies. Alléluia. Et à la fin, vous aurez des sérieux problèmes. Mais quand vous mettez Dieu d'abord, Amen. Alors c'est sûr et certain que Dieu aimera sincèrement ton prochain. Amen. Parce qu'un frère ou une soeur pensera toujours à faire du bien, du bien, du bien pour son frère et pour peu importe ce qu'il peut penser, mais je vais faire le bien. Amen. Si j'ai quelque chose qui peut aider mon frère, je suis heureux de savoir que c'est moi qui l'ai fait. Amen. Alléluia. Mais quand il y a un frère quelque part, vous sentez que ça ne va pas du tout. Vous savez, quand vous arrivez à faire des choses comme ça, pas de problème, hein? Dieu voit votre cœur. Je vous ai demandé, je donne l'exemple, c'est un exemple pratique. Elle a la voiture, bon, voilà, je vais quand même de la voir, puis il faut que je passe l'entretien, alors que je ne passe pas l'entretien. L'entretien, c'est peut-être dans 3 mois, tu commences à dire, faut, parce que tu dis l'entretien pour le faire entendre, ah, c'est pas entretenu, oh, c'est entretenu. Mais tu penses, tu veux l'entretien dans 3 mois, tu annonces ça pour que la personne, oui, c'est pas entretenu, oui, tu vois, il faut l'entretien, il faut ça, frère, bon. Et puis, quand tu dois prendre, il faut quand même, là, tu sens ça, ne touche jamais. Et ce que vous ne réalisez pas, ce qu'il n'y a pas de problème, vous allez rester avec votre engin. Mais plus tard, cet engin-là que vous avez, quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce que si vous êtes un fils de Dieu, et que le Seigneur a placé ses regards sur vous, l'acte que vous avez posé, effectivement, a blessé aussi Dieu. Et l'engin que vous avez maintenant, il voit quoi? Que cet engin-là n'est pas une bénédiction pour vous. Vous suivez, vous le suivez. Donc cet engin-là est susceptible de pouvoir vous venir de lui. Dieu est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Oui. Tout ce qui peut vous donner de Dieu, effectivement, Dieu doit l'écarter du chemin. Amen. Effectivement. Ça, c'est ce que Dieu fait pour ceux qui sont à lui. Amen. Satan est toujours usé à l'affût, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre. Chaque enfant de Dieu doit être réellement prudent. Amen. Très prudent. Et même dans vos relations avec vos frères et sœurs, il ne faut jamais avoir de soupçons. Amen. Mais simplement observer seulement la réaction de votre frère ou de votre sœur en rapport à ce que vous êtes en train de pouvoir vivre. Ça vous permet effectivement de pouvoir savoir jusqu'où je peux aller et jusqu'où je ne peux pas aller. Viens vous lire une écriture, vous le connaissez. Dans le proverbe, il dit, mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain. C'est vrai, non? Amen. De peur qu'il ne soit rassasié de toi. Vous comprenez ça? Amen. Vous l'avez déjà lu? Amen. Mais vous savez, frère, vous devez comprendre cela. L'Écriture ne fait pas de cela, frère et sœur, ou simplement que nous soyons prudents. Que lorsque nous allons chez quelqu'un, prêtez attention, s'il vous plaît. J'ai toujours dit, frère et défense s'occupe, vous n'êtes pas frère et défense, vous êtes ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Alors vous fixez vos regards ici. Amen.
Alors, l'Écriture nous fait savoir cela pour que vous puissiez vous-même apprécier quand vous allez chez quelqu'un. Quelle est l'attitude qu'a cette personne à votre endroit? Comment il vous accueille? Quand vous sentez que l'accueil est un peu comme forcé, mets rarement les pieds. Amen. C'était la Bible. Quand le cœur est tellement ouvert, tu te sentiras chez toi. Amen. Ça, au milieu de vous. Je n'ai pas le temps, 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 vous comprenez. Et quand vous entrez chez lui à la maison, frère, même si aujourd'hui, c'est une chose que nous allons, je vais rester un tout petit peu avec vous, pardonnez-moi. Hein. Même si aujourd'hui, comme l'Écriture nous dit, soyez donc hospitalier, que quelqu'un vienne chez toi, même à minuit, que tu ne savais même pas qu'il allait venir ou quoi que ce soit, il sonne, oh frère, je viens d'aller, je ne sais pas même où aller, je ne sais pas où aller. Je n'ai vraiment pas très bien voyé. Oh, attends, je vais appeler Fringon. Attends, là, je vais appeler Fringon d'abord pour voir à peu près. D'abord, frère, il défonce comme lui, il est diacre. Il va dispatcher. Il cause. Ah, mais le frère n'a pas été chez Fringon ou Fringon. Mais c'est toi qu'il est venu. Quand tu entends ça, je vais d'abord demander à Fringon, mon frère, frère, il défonce. Il aille. La personne est refroidie, son âme est tellement bizarre. Comment il peut même entrer dormir chez toi? Et puis il dit, bon, Fringon, on n'a pas de place, frère, il défonce non plus, il ne s'est pas trouvé. Bon, entre quand même. Vous avez tué la personne. Je préfère dormir sur le seuil. Frère, la Bible dit, soyez hospitalier. Un fils de Dieu. Que tu viennes à minuit, il est heureux. Il dit, Seigneur, tu me l'as envoyé. Même si je n'ai pas de place, dors par terre. Ou moi, je descends, toi, tu montes. Amen. Moi, j'ai dormi en dessous de la table, frère. Les gens dormaient dans ma chambre. Moi, ici. Je ne peux pas vous dire des choses que je n'ai pas fait. Moi, quand il est en dessous, c'est moi en dessous de la table. Je mettais là un tissu, là, je mets en dessous de la table et dans mon champ. Comme ça. Comment vous l'accueillez? En fait, le Seigneur permet des situations, des circonstances pour vous montrer où vous êtes. Amen. Par le verbe, c'est toujours le cœur. Tu as supporté le méchant, c'est-à-dire des choses, des gens qui veulent des choses qu'ils ne savent pas qu'on faisait. C'est pas possible que un frère. Pas que, non, en fait, toi, parce que tu sais ce qui est juste qui doit être fait, tu ne peux supporter le méchant. Tu ne peux supporter l'hypocrisie. Tu ne peux supporter la ruse, la dissimulation. Cause de cet impact qui se passe sur le dormitoire. Je vais vous montrer. Vous connaissez le premier âge, effectivement, et qui est le messager, n'est-ce pas? De l'apôtre Paul, vous savez. Je ne veux pas que je vous connaissez beaucoup déjà. Quand vous regardez cela, l'apôtre Paul qui était dans ce message, qu'est-ce que cet homme de Dieu a eu à me voir? D'abord, nous avons lu la fois passée. Il faut que vous prêtiez bien attention à la prédication que nous entendons, comment Dieu nous conduit, effectivement. C'est pour que vous puissiez recevoir la parole, la pensée, que vous puissiez vous être assis dans les choses profondes de Dieu. En fait, que vous ne soyez pas flottés. Frères et sœurs, vous avez remarqué que le Seigneur maintenant nous parle d'une manière différente. Alléluia. Parce que nous grandissons. Amen. Avant, il ne pouvait pas le faire. Maintenant, alors que nous grandissons, il nous aide à nous embrasser encore davantage pour que nous sachions d'où nous sommes venus, où nous allons et ce que nous faisons. Amen. Donc c'est, regardez très bien, donc c'est l'apôtre Paul, et comme les Saintes Écritures nous le montrent effectivement, cet homme de Dieu était quelqu'un de particulier aussi parce qu'il nous a fait part de quelle manière les choses se sont présentées dans sa propre marche, et aussi dans l'appel que le Seigneur lui a réellement donné. Dans ce qui concerne la profondeur et la révélation même de la parole de Dieu. Regardez la Bible, effectivement,
la plupart, la grande partie des écrits que nous avons, le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. C'est vrai, non? Et Dieu a donné là un modèle qu'il a pu montrer effectivement dans les caractéristiques concernant en fait les messagers, les serviteurs de Dieu que Dieu lui-même choisit, comment il doit arriver à pouvoir être les critères dans lesquels Dieu le place. L'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai ni reçu, ni appris de moi. Par la révélation de cette vie. La parole que je vous ai annoncée, dit-il, n'est pas d'un homme. Du Seigneur Jésus-Christ, dans les saintes écritures, il nous montre effectivement comment, par la mort, effectivement, comment si le Seigneur, parce qu'il a eu à pouvoir accomplir la grande lumière qui vient. Et cela nous ramène à pouvoir comprendre maintenant l'impact de son ministère, comme le Seigneur a dit dans Actes chapitre 13, vous serez d'accord? Car ici, nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi. Lumière! Amen. Amen! Alléluia! Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous remarquerez, frère, que dans l'âge de Fès, la lumière était grande. Amen! Pourquoi? Parce que le porteur de cette parole, effectivement, est l'apôtre Paul, et la parole de Dieu était tellement dans sa puissance, amen, dans sa révélation, que les croyants qui entendaient, frère, étaient des fils et des filles de Dieu qui recevaient la pure parole de Dieu, qui naissaient de nouveau et qui recevaient le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ils avaient la parole de Dieu, ils avaient l'enseignement de Dieu dans leur âme. Et ils savaient où ils sont nés, frère. Ce n'était pas les hommes flottants, tout vent des doctrines, mais ils avaient cette assurance, effectivement, qu'ils avaient la parole de Dieu. Ces paroles étaient une lumière. Donc, ayant la lumière, effectivement, ils pouvaient voir la différence. Amen. Chose, il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu les as donc trouvés menteurs. Pourquoi? Mais c'est à cause effectivement de la parole qu'ils avaient donc pris à pouvoir recevoir, qui a pris une place pénétrante dans leur cœur, dans leur âme. Ils avaient donc la vérité. Ils pouvaient maintenant voir la différence entre la vérité et le mensonge. Pourquoi? Parce que la lumière était tellement si grande à ce moment-là, prêtez justement un peu d'attention. La lumière était tellement si grande à ce moment-là que les ténèbres étaient très petites. Vous suivez? Je vais vous le montrer parce que vous me faites comme un dessin, mais dans les écritures, c'est où? Donc la lumière était tellement si grande que les ténèbres étaient très petites. Regardez ces ténèbres. Regardez ici. C'est suivant. Je vais lire verset 6 pour vous voir là. C'est d'abord ici, regardez bien. Je vais la relire pour que vous voir la lumière comme elle était. Verset 2 dit, je connais ton travail, ta présence, je sais que tu ne peux supporter. Le méchant que tu as trouvé, c'est les apôtres, effectivement, et qu'ils ne sont pas. Et que tu as trouvé porteur, que tu as de la persévérance, et tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Vous voyez, frère, alléluia. La parole de Dieu fortifie davantage. Amen. Et plus dans la lumière, effectivement, plus on approche encore davantage, mon frère. Et on veut persévérer encore. Il te voit là, c'est dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi après tes bénédictions, sinon je viendrai à toi et je donne ton chandelier à sa place, à moins que tu ne répondes. Verset 6, il dit. Tu as pourtant ceci, ce que tu détestes, les œuvres de Nicolaïte. Œuvre que je hais aussi. Amen. Voici les ténèbres. Alléluia. Les œuvres, donc ce sont les petites choses qui avaient commencé. Et si on prend dans le soir, effectivement, c'est des choses qui étaient insignifiantes, effectivement, que les hommes ne prenaient pas attention. Et c'est ceci, hein. Chapitre 6, Apocalypse. Je regardais quand l'agneau vient des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens et vois, que je regardais, voici paru un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur et pour vaincre.
Et là, c'est là qu'il a commencé, effectivement, dans ce chapitre ici, dans le chapitre 2, effectivement, de l'Apocalypse, là, le jeûne, c'est là que, effectivement, que là, maintenant, il est sorti, en fait. Qu'est-ce qui est sorti? Celui qui est sorti, effectivement, chevalement, c'est qui et c'est quoi? C'est l'Antichrist, donc, l'antiparole. Ça veut dire quoi, effectivement, mon frère et ma soeur? Vous remarquez? Et la lumière était tellement silencieuse, mais quelque chose s'est glissé, qui paraissait tout à fait anodine. Une mort qui se devait être parmi les inconnus. Et qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Le Seigneur dit, ce sont les œuvres de Nicolas. Les œuvres que tu détestes aussi. Donc un fils de Dieu qui a l'esprit du Seigneur, vous me suivez? Amen. Un fils de Dieu qui a l'esprit du Seigneur, il ne peut pas accepter que le dogme entre dans les choses de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on doit toujours faire, et c'est ainsi. Donc un fils qui a l'esprit du Seigneur, il veut toujours que le Seigneur puisse continuer à pouvoir conduire. Amen. Amen. Là, c'était en fait le début de la chose, comme vous le savez, et on ne s'est pas rendu compte que Satan était réellement derrière. Et quand on laisse cette chose-là commencer, sans pouvoir la stopper, elle va devenir un monstre brutal. Donc, nous devons être très attentifs aux choses concernant le Seigneur. Amen. Notre frère Momo a touché quelque chose ce matin concernant, effectivement, la part de Maria. Et il a aussi rappelé aussi, effectivement, ce que c'est là aussi pour lequel Dieu l'a conduit aussi, à pouvoir aussi parler de cela que le Seigneur bénisse. Amen. Vous avez vu aussi la position qu'il a aussi par rapport à la part de Dieu. Et il s'est référé effectivement à ce que nous avons entendu ici, effectivement, à propos de sœurs qui doivent se marier, effectivement. Les choses ont été effectivement aussi dites en réalité. Je veux que vous puissiez ouvrir vos oreilles et prêter attention à ce que nous venons de pouvoir aussi lire également ici, comme je te dis, mais je sais que dit, mais tu peux supporter le méchant, mais dit, chez toi pourtant, c'est ce que tu déteste les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je déteste aussi. C'est par là qu'a commencé effectivement aussi le don. On ne veut pas avoir la prédominance du Saint-Esprit, on veut que l'homme puisse arriver à pouvoir dire comment les choses sont, sans que le Saint-Esprit puisse arriver à pouvoir mettre les choses en place. Prêtez maintenant votre attention, s'il vous plaît, que vous allez partir chez vous à la maison. Je veux que vous entendiez ça. Quand notre foi parlait ici, il a touché en fait un rapport avec la virginité de soi. Vous l'avez entendu, non? Amen. Il l'a prouvé dans les Saintes Écritures. Mais il a parlé là en se référant en rapport avec ce que nous avons entendu, que ma soeur ne doit pas se livrer directement comme ça, une frère, parce que ce n'est pas une forme. Vous vous souvenez? Amen. Vous savez pourquoi est-ce que le frère se sent dans l'obligation, lui, de pouvoir aller poser la question au Seigneur avant donc de pouvoir se marier? Vous savez cela? Parce que vous savez, Amen. Si vous ne savez pas, je vous fais demander. Le frère va poser la question parce que il s'est dit que la sœur n'est pas vierge. N'est-ce pas, non? Oui. Parce que la question est toujours en rapport avec la virginité. Parce que supposons un exemple, cette jeune fille habite toujours chez son père et sa mère, et il a 16 ans, jeune ans, 17 ans, 18 ans. Il n'a jamais quitté là-bas, on sait que la partie des parents est toujours fermée. Vous suivez? Il va à l'école, c'est toujours à l'intérieur de la maison. Il y a un professeur qui vient qui donne cours. Vous suivez cela? Là, elle va pas.
Au marché, c'est maman qui va. Ce sont les frères. Lui, il ne sort jamais. Tout le monde le sait. Et le frère va l'épouser. Il va l'épouser pour savoir combien d'hommes tu as reçu. Parce qu'il sait qu'il n'a jamais connu l'homme. Donc si on pose la question, c'est parce qu'on veut savoir si tu es vierge ou pas. C'est la vérité ou pas. Je vous ai parlé d'un exemple, non? Donc ne faites pas comme vous ne savez pas, mais c'est vrai, non? Parce qu'on veut savoir combien d'hommes tu as eu à pouvoir avoir. Hein, n'est-ce pas? Je veux maintenant que vous prêtiez attention à ceci, frère. Pour dire effectivement que notre Dieu que nous servons est un Dieu de sagesse. Amen. Un Dieu tout puissant. Amen. Quand on prend le sujet sur la virginité de femme, dans les Saintes Écritures, selon effectivement sur la parole de Dieu nous, notre frère l'a vu effectivement, chaque famille qui avait des enfants, surtout des filles, le papa ou la maman savait qu'il fallait éduquer son enfant. Amen. Je voudrais que vous dites amen à la parole de Dieu par votre façon de voir. Amen. C'est absolument important pour tout un chacun de vous. Vous devez simplement dire amen à la parole de Dieu. Pas comme parce que ça correspond à ce que moi j'ai toujours eu à pouvoir penser, mais c'est vrai parce que la Bible le dit. Amen. Donc, nous trouvons que chaque femme, d'une certaine manière ou d'une autre, quand elle a quand même son enfant, même s'il n'a pas une connaissance, non, elle a toujours tendance à pouvoir éduquer son enfant parce qu'il sait que normalement, c'est au cours du mariage, et cela s'est fait. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait naturel, qui découle naturellement. Donc c'est comme cela que c'était effectivement de là, et puis dans l'Ancien Testament, tout le monde le savait. Maintenant, Dieu, il vient maintenant pour mettre les choses à leur juste place, effectivement, dans le cadre de rien de mariage. Je ne prêche pas le mariage et divorce. Je veux que les choses soient assez claires et posées de la manière biblique. Amen. Je pense que beaucoup de gens vont peut-être avoir du choc dans le cœur. Il faut que le choc soit pour que les dogmes puissent Amen. Sortir. Amen. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec des dogmes et des habitudes. Alléluia. Même dans les gens qui sont en tradition ancienne, je pense qu'effectivement, ils savent effectivement que voilà, quand nous avons un enfant, il doit se tenir comme cela jusqu'au jour où on doit aller au mariage. N'est-ce pas vrai? C'est dans ce sens. Maintenant, si nous revenons à ce que nous disions, pour le frère qui va donc demander la main à la sœur et qui pose cette question, effectivement, la sœur, c'est parce qu'il veut réellement savoir si la sœur est vierge, parce qu'il veut épouser une sœur qui, après lui, doit être vierge. C'est ça, oui. Dans ce message, c'est fondamental, n'est-ce pas? Okay. Un frère doit certainement épouser une sœur vierge. C'est vrai, non? Amen. C'est même ce que le message dit, ce que je crois, non? Ce que vous croyez, mais c'est... Okay. Maintenant, je veux vous poser une question. Parce que je veux que vous compreniez cela, c'est absolument important. Je vais vous lire la Sainte Écriture. Je voudrais réellement que un frère puisse me montrer dans les Saintes Écritures ici où il est clairement écrit que tout enfant d'Israël doit épouser absolument une vierge. Je vous laisse la Bible toute la semaine. Allez lire et puis venez me voir. Je veux que vous compreniez d'abord ce que je vais vous faire.
dans les Saintes Écritures, la Bible que j'ai ici, l'exigence pour épouser une vierge, Dieu ne l'a imposée qu'au Lévite. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous voulez que je lise ? Amen. Lévite. Lévitique chapitre 21. Je dis à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, au fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui les touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne se raseront point les coins de leur barbe, ils ne se feront point d'incision dans leur chair, ils seront saints pour leur Dieu. Et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant et déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne devra point sa tête, ne vêtira point ses vêtements. Il n'ira pas, il ira vers aucun point, aucun mort. Il ne se rendra point pur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne prendra point le sanctuaire de son Dieu, car l'onction de son Dieu est une couronne sur lui, sur l'Éternel. Verset 13. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Amen. Amen. Donc effectivement, mon précieux frère, que Dieu le bénisse, fait chaud. Que Dieu le bénisse vraiment, fait chaud. Regardez très bien, frères et sœurs. Donc, dans les Saintes Écritures, seul le Lévite, d'une certaine manière, avait l'obligation, le devoir de se marier à une vierge. Pas une fille prostituée, pas être déshonorée ou quoi que ce soit, ainsi de suite. Seulement une vierge qui n'a pas été touchée. Amen. Pour le reste du peuple d'Israël, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu le connaissais, mais ce n'est pas que je l'ai dit, mais non, fille veut venir. Non, la virginité d'une fille était quelque chose de très important dans la Sainte Écriture, et ça demeure encore au jugement aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Je veux que chaque chose soit à sa place. Amen. Parce que pour que vous comprenez, mais pourquoi? Parce que vous comprenez, pourquoi est-ce que. Parce que je dois poser la question. Certainement, vous avez le droit de faire ce que vous avez le droit de faire. Il n'y a pas de problème. Mais c'est moi qui devais savoir pourquoi je dois faire ceci et pourquoi je ne sais pas faire cela. Pourquoi, en fait, il faut que je fasse des choses comme cela, c'est toi. Pour quelle raison? Parce que toi, mon frère, si toi, tu n'es pas un lévite, tu n'as pas l'obligation de pouvoir épouser une vierge. Je suis incertain. Vous direz, mes frères, prouve-nous ça dans les Saintes Écritures. Je vais vous le prouver. Détournons. Chapitre 24. Verset 1. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, il viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Vous suivez? Je répète encore. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, il viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Qu'est-ce qu'il va faire?
il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise à main, il la renverra de sa maison, et cette femme vivra éternellement comme ça. Non, l'Écriture dit, écoutez bien, elle sortira de chez lui, salira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Amen. 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 Donc un fils d'Israël pouvait l'épouser. Pas les Lévites. Alléluia. Amen. Non, un Lévite ne pouvait pas. Donc un Lévite, quand il va épouser une fille, il a donc le droit de voir savoir s'il est vierge ou pas. Mais pas toi. Tu peux parler avec ta soeur, tu peux poser action, c'est tout à fait normal, mon frère, ma soeur, c'est pas dit que vous maintenez non. En fait, vous comprenez que vous n'avez pas à pouvoir vous maintenir là comme les juges et magistrats pour dire tu dois. Non, en fait, notre frère, c'est là qu'on est. Quand Dieu a pardonné quelqu'un le passé, amen. Le passé, il est passé, il est pardonné, mon frère. Alors, tu dois savoir maintenant de quelle manière tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures pour savoir ce qu'il faut faire. Ne vous donnez pas de droits que vous n'avez pas. Amen. Un Lévite est un Lévite. Un Lévite ne devient pas Lévite. Il est né Lévite. Amen. Amen. Et vous allez remarquer, tu dis que ça va choquer beaucoup. J'ai eu à pouvoir recevoir un email où on me disait. Voilà que on nous a dit, voilà, que le pasteur, il va toujours avoir une femme vierge. Le pasteur, et c'est vrai, non? Il dit que ça va vous choquer. Il va toujours avoir une femme vierge, effectivement. Oui. Mais alors, il y a une chose que vous devez comprendre. Ne faites jamais la confession. Alléluia. Entre le pasteur d'Éphésiens, chapitre 4. Et l'ancien dans une église. Alléluia. Amen. On a tout mélangé. Ouais. Parce qu'un Lévite, il est né Lévite. Alléluia. Et quand il est né Lévite, effectivement, et qu'il sait qu'il est Lévite, il sait ce qu'il doit faire en tant que Lévite. Amen. Maintenant, vous allez quand même voir, je vous dis, il va dire, oh, mais il divague maintenant, qu'est-ce qu'il arrive? Je vais toujours vous prouver, toujours tout par les Saintes-Écritures. Je vais vous prouver avec moi dans le livre de Tite, chapitre 1. Alors, nous lisons avec vous, verset 4. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune, la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quoi, quelques hommes, une condition, il approcha Marie d'une seule femme vierge. La condition, c'est qu'il soit marié d'une seule femme. Alléluia. Je continue, il dit, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain de honnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sœur, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable de sauter sur la scène doctrine et de refuter les contradicteurs. 1 Timothée, chapitre 3. Verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Vous voyez la condition? Amen. Pas un polygame. Mari d'une seule femme. Amen. Il dit sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais intelligent, pacifique, désintéressé.
Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne bien ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas que ce soit pas un nouveau convaincu. Mais là, écoutez bien. Verset 8. Le diacre aussi doit être honnête et loin de l'hébicité, des excès du vin, de l'agressivité, concernant les mystères de la foi, dans une conscience pure, qu'on éprouve d'abord et qui s'est ensuite leur ministère et qui sont dans la branche. Verset 11. Leurs femmes, de même, doivent être vierges, honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles. Non. Leurs femmes doivent être effectivement honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles, effectivement, toutes choses. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que souvent, c'est quand même triste quand j'entends effectivement cela dans le message. Ça vient de la page que vous dites. Dans le message, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, je vais seulement vous donner un exemple. Juste simplement un exemple. Nous avons un frère là, et là sa femme, c'est ainsi de suite, effectivement. Et que maintenant, le Seigneur, votre attention, s'il vous plaît, frères et sœurs, et que le Seigneur, maintenant, me conduise à pouvoir l'établir comme ancien passant. N'est-ce pas? Alors, puisqu'il va s'occuper de la tâche, qu'allons-nous faire? On va appeler le frère, on va appeler sa famille, frère, dis-moi, la sœur ici. Vous voyez? Parce que je voudrais maintenant te présenter à l'Assemblée pour que tu sois ancien. La sœur ici, est-ce que, à propos de sa virginité, tu as eu un pouvoir un peu, tu peux, mais c'est comme ça que ça se fait. Tu peux un peu nous dire, effectivement, si la sœur, elle est vierge. Qu'allez-vous dire? Est-ce que c'est la manière de dire de faire les choses? Non. Pas du tout, c'est pas conforme à cette règle. La condition qu'il doit remplir, lui, c'est qu'il doit marier d'une seule femme. Pas être polygame. D'une seule femme. Amen. Et ce qu'il a eu à pouvoir avoir la valeur de sa femme au commencement, pendant qu'il vivait, effectivement, ça, c'est pas un problème. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Que sa femme ait été vierge au début, c'est pas moi d'aller poser la question. Puis c'est pas ce qui existe dans les Saintes Écritures. Où j'établis, vous vous rendez compte que moi, pour établir dans ce jour, j'appelle dans mon bureau avec sa femme, dis-moi, est-ce qu'elle a été vierge? Ben, j'ai tout petit peu. La Bible n'a jamais dit cela. En rapport avec les anciens. Est-ce que vous suivez? Donc, ce qui veut dire, une chose qui est très très importante, est à comprendre ceci, frère. Mais maintenant, si ce frère, il perd aujourd'hui sa femme, et qui est touché dans son cœur, il veut se marier. C'est normal que s'il veut se marier, qu'il veut se marier avec une vierge. Est-ce que vous suivez? Amen. S'il veut se marier, maintenant là, parce que son nouveau mariage, s'il veut se marier, il veut vouloir se marier avec une vierge, il peut se marier avec une vierge. Et si maintenant le Seigneur lui dit de pouvoir prendre une femme qui est réellement aussi une femme qui n'était pas vierge, ne peut-il pas le prendre? L'Écriture ne le condamne pas. Vous comprenez? L'Écriture ne les condamne pas. On ne doit pas imposer aux gens ce que la Bible ne leur impose pas. Je répète encore très bien, frère, cela ne veut pas dire que une sœur qui est en Christ dans la parole de Dieu, elle sait très bien qu'elle doit garder sa virginité. Amen. Nos propres enfants ici, ils le savent très bien. Ce ne sont pas des enfants de la rue, ce sont des enfants de la maison. Donc ils savent ces choses-là. Donc maintenant, nous ici, en tant que peuple de Dieu, nous devons arriver à pouvoir savoir pourquoi est-ce que ce jour doit se faire ainsi, pourquoi Dieu veut que les choses se passent ainsi pour nous en fait. Pour que nous ne tombions pas, frères et sœurs, dans les erreurs de dogmes et de credos, où effectivement, on ne sait plus très bien ce qu'on, où on va, qu'est-ce qu'on peut faire et ce que Dieu veut réellement pour nous. Le problème de mariage et divorce, parce que le Seigneur ne m'a pas conduit dans le dans cela, c'est un problème très sérieux dans ce message du soir et qui bloque et qui détruit beaucoup. Pourquoi? Parce que simplement,
on a eu à pouvoir avoir, c'est que l'un a dit, l'autre a dit, on a formé certaines choses. Il faut qu'on revienne effectivement au sein de cette Amen. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Parce que pas me présenter seulement la brochure, ramène-moi dans la parole de Dieu. Où est-ce que les saintes écritures disent effectivement par rapport à ça, 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 ça. Mon frère, lorsque nous laissons des choses qui ne sont pas conformes aux saintes écritures, même si trouver cela normal, s'installer dans la parole de Dieu, Satan est très content. C'est sûr et certain, frère. Tout cela va vous former un frein qui fait que, comme on l'a vu, effectivement, c'est que d'abord, les œuvres, effectivement, tellement si petites. Et au fur et à mesure qu'on avance, effectivement, ça devient tout un tas, une structure. Et c'est comme cela, effectivement, que même dans ces temps où nous vivons, dans ce message, beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été même enseignées, sont anti-scripturales. Vraiment. Mais on a peur de pouvoir dire, parce que le prophète n'est pas mon absolu. Alléluia. Il ne sera jamais mon absolu. Amen. Mon absolu est. Amen. Amen. Quand la Bible dit une chose, je l'ai dit, il faut m'abandonner, c'est pas un problème. Mais aussi longtemps que je me tiens à l'écriture, Dieu se tiendra avec moi. Amen. Donc, mon précieux frère l'a dit. Que frère Branham n'a jamais prêché sur base de brochures ou de Wesley John Wesley, c'est sur base de la Bible. Amen. Donc nous devons revenir à la Bible. Être toujours dans cet équilibre, Amen. Frère, de l'Ancien Nouveau Testament et dans cette lumière dans laquelle nous nous trouvons, afin que, frère, qu'on ne retourne plus à l'esclavage. Amen. Si la lumière a pris, frère, donc on voit clairement. Amen. Vraiment, mais c'est sûr et certain. Pour qu'on soit sûr et certain de ce que c'est à quoi nous sommes engagés. N'allons pas avec nos propres sentiments, parce qu'il faut qu'on le dise comme ça. Il faut... Frères et sœurs, nos sentiments n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Alléluia. Peu m'importe, parce que oui, ça va froisser les uns, ça va pousser la colère aux autres. C'est pas ça mon problème en moi. Mon problème, c'est que la parole de Dieu soit prêchée dans sa pureté pour que l'homme de Dieu, le fils ou la fille de Dieu, puisse avoir, frère, quoi? L'amour de ce Dieu. Amen. Et puis, c'est, mais quand je l'ai fait, c'est parce que c'est juste, c'est vrai, et que j'aime cela. C'est sûr et certain, frère. Quand toi, sœur, un frère vient te pousser, effectivement, que tu as un bataillon d'enfants derrière, tu ne vas pas fermer ta bouche quand même. Vraiment. Tu dis, mais Dieu l'a conduit, effectivement. Vous savez, frère, toutes ces histoires que vous faites ici, oh, ben, j'ai été touché, frère. Vous savez d'où est-ce que cela vient réellement aussi? Aller dans l'islam. J'ai réagi, Seigneur, tu es vraiment. Vous savez, la plupart sont des traditions. Dans l'islam, c'est comme cela que l'islam demande. Vous devez d'abord vous retrouver, toi, mari, toi, jeune fille, pour enfin, de vous séparer finalement avec ton ami, et vous devez tout vous déballer. Je peux vous l'imprimer, je l'ai. Tradition islamique. Nous, nous devons savoir quand est-ce que nous pouvons dire, et ce que nous pouvons dire, et ce que Dieu veut que nous puissions dire, et à quel moment, frère. Parce que quand Dieu a déjà eu le pouvoir de pardonner une personne, il a pardonné. Et si j'ai un bataillon d'enfants derrière moi, seul, je ne peux pas dire au frère que je n'ai pas d'enfant. Donc c'est quelque chose tout à fait normal. Il ne peut pas dire non, tu veux me démarrer la main, mais j'ai en fait des enfants. Amen. Tu veux m'épouser, tu veux des enfants. Est-ce que tu vas accepter mes enfants aussi avec toi? Amen. C'est normal. Alléluia. Vous partez sur une base claire. Amen. Mais tu ne vas pas quand même t'asseoir là, quelqu'un que tu ne connais pas, lui ouvrir effectivement depuis ton enfance ce que tu as pouvoir faire. Ce n'est pas biblique. Et puis l'homme n'est pas exigé, Dieu n'a pas exigé à l'homme de pouvoir être comme cela. Le Lévite, oui, le Lévite doit absolument épouser une vierge. Maintenant, je veux aussi conduire des termes dans l'ancien. Il est très bien, frère. Parce que j'avais laissé cette email-là, j'avais entendu d'autres que quand il y a un pasteur qui doit être dans le passage, il faut voter les pasteurs, parce que les prophètes ont dit, et j'ai dit que dans la Bible, il ne faut jamais voter les pasteurs. On ne vote pas. Non. Non, ils sont établis. C'est-à-dire que les anciens, qu'on appelle pasteurs, ils sont établis par Dieu. C'est-à-dire que tu il dit, mais c'était les anciens pour établir des anciens. On ne vote pas. Même si autant de fois on votait, ce n'est pas pour faire des études. On ne vote pas, on établit. Donc, alors il dit, oui, parce qu'on est allé donc voir les voisins comme les voisines pour pouvoir poser la question, pour savoir si cet homme-là est réprochable, ainsi de suite. Mon frère et ma soeur, est-ce que c'est dans le message?
Est-ce que la Bible t'a dit ça d'aller voir les voisins qui habitent avec... Ce sont vos frères qui sont ici qui le font. Et vos soeurs. Avec joie, hein, cette soeur dit, mais moi j'ai été d'abord poser la question dans le quartier. Cet homme venait de notre pasteur, comment vous le trouvez? Mais vous vous ridiculisez, vous lisez la parole de Dieu. Cet homme est un païen, il n'a rien à voir avec votre Dieu. Vous lui posez la question aussi, cet homme-là a besoin de conduire pour être pasteur. C'est Dieu que nous servons, est un Dieu qui est vivant. Maintenant, s'il vous plaît, maintenant, même un lévite. Vous savez, il y en a de ceux-là qui se font lévites sans se rendre compte qu'ils ne sont pas. C'est ça. Amen. C'est vrai. C'est quand Dieu se révèle. Mm-hmm. Cet homme-là peut dans sa vie avoir épousé une femme qui a été déjà touchée par elle. Mm-hmm. Cela n'enlève rien à son ministère. C'est vrai. Vraiment. C'est puissant. Il est en droit de pouvoir servir le Seigneur avec Amen. C'est quand la femme meurt que maintenant il a la connaissance de la chose qui peut maintenant aller épouser une magnifique vierge. Mais toi, frère, Dieu ne t'exige pas d'épouser une vierge, mais d'épouser. Si tu dois te donner, c'est une bonne chose, effectivement. Mais ce n'est pas une obligation. Je dois. Et toi, tu dois. Non. Dieu, d'abord, le mariage. Que toi, tu dois arriver à pouvoir avoir, il faut d'abord que Dieu te conduise. Amen. Que Dieu te conduise. Si même cette femme-là a été touchée par un homme, si Dieu t'a conduit à l'épouser, Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et comme une sœur m'a posé la question, frère, donc une sœur qui a connu déjà, qui a des enfants, peut être mariée. Non, nous avons l'exemple de notre sœur. Et si Irène, ma sœur, il y a tu là, que Dieu te bénisse. Amen. Ce couple ici a un grand témoignage ici. C'est vrai. C'est vrai. N'est-ce pas vrai? Amen. J'ai cité son nom parce que je sais qu'elle le croit. Amen. Et il a été épousé par notre frère Emmanuel. Amen. Et c'était la volonté de Dieu qu'il fait. Oui, frère. Amen. Et notre soeur avait déjà un enfant. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Les autres, mon frère, pourquoi tu as cité mon nom? Tu sais que j'ai cité son nom, Amen. Mais elle ne pourra pas discuter. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Donc, ça, c'était donc la volonté de Dieu pour faire Emmanuel épouser cette soeur-là. Amen. Amen. La preuve, vous l'avez, non? Alléluia. Donc, il faut que nous soyons équilibrés dans les choses de Dieu pour ne pas laisser l'ennemi, effectivement, de pouvoir profiter de ce que Dieu nous a accordé comme liberté. Alléluia. Et nous a servir effectivement cela. Vous savez, la Bible dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. 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 Alléluia. Vous suivez? Amen. Donc, le Saint-Esprit ne vous poussera pas à pouvoir vous poursuivre dans la rue pour venir dire, bon, soeur, frère, je suis plus vierge, mais tu peux quand même m'accepter. Non. Non. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que tu dois te préserver. C'est vrai cela, non? Mais quand cela est passé, comme nous l'avons entendu, c'est sûr et vrai. Mais parce qu'effectivement, le frère ne peut pas se taper là. Oui, parce que tu as été touché par les hommes, effectivement. Alors moi, je ne peux pas. Tu n'es pas un élu. Et tu n'as aucun droit. Tu n'es pas un élu. Frères et sœurs, Dieu que nous servons est un Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Il connaît tout, effectivement, dans tous les détails. Et chaque... Ça, j'ai toujours dit, mais, en rapport avec la question de mariage et divorce, il n'y a pas une chose statique. Chaque cas a sa spécificité. Amen. Il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle pour maintenant mettre les choses à l'ordre, à leur place de place. Donc ne fermez jamais Dieu dans une bouteille. Laissez le Seigneur agir. Mais ce Seigneur ne pourra jamais vous conduire à des compromis. Amen. Il y a quelque chose qui soit contraire aux saintes Écritures. Mais toujours dans la parole de Dieu. Amen. Et terminer, souvenez-vous encore. Quand la femme surprise en flagrant délit d'adultère a été amenée au Seigneur, la Bible disait clairement qu'elle devait être lapidée. Vous vous souvenez? Le Seigneur ne les avait dit de ne pas le faire. Alléluia. Il ne peut pas mener quelqu'un contrairement à cette écriture. Non. Il ne les a jamais dit de ne pas lapider la femme. Il a simplement dit, si quelqu'un parmi vous. Alléluia. Vous voyez, frère, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier. Alléluia. Je ne vous ai jamais dit de ne pas épouser les vierges. Alléluia. Est-ce que vous suivez? C'est absolument important. Mais vous devez vous examiner Alléluia. Pour savoir où vous en êtes. Alléluia. Alléluia. C'est absolument nécessaire. Amen. N'allez pas dire n'importe quoi. N'allez pas raconter, voilà le frère. Non, frère. Donc, si quelqu'un parmi vous Alléluia. N'a jamais péché, Alléluia.
Il soit le premier. J'étais la pierre. Alors il s'est retourné. Il a commencé à écrire. Nous avons nous.